Coussins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, comme le titre l'indique, c'est comment rendre son bébé réaliste dans une poussette. Je précise que j'avais lancé un sondage sur la communauté pour vous poser la question de qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo, comme que ce soit vlog, vidéo DIY, etc. Je vous ai proposé plusieurs choix et vous avez été carrément, pratiquement, je crois, 70%, je vous mets par là, renouveau, 70% à voter pour comment rendre son bébé réaliste dans une poussette. Je précise une petite chose, c'est ne faites pas attention à ma tête parce que je suis lessivée, clairement, et je suis pas coiffée ni rien, donc je m'excuse d'être à moitié potable, on va dire ça comme ça. Donc ne vous fiez pas à ma tête, je suis fatiguée, lessivée, donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est entièrement gratuit et ça me fera très plaisir. Donc je me suis munie de deux bébés, donc le plus grand Esteban et le plus petit Ezekiel. Le plus petit on peut aussi, j'aurais pu très bien prendre Léo, le problème, même Niara, mais le problème c'est que vous l'avez déjà vu plusieurs fois, Ezekiel vous l'avez vu une ou deux fois dans mes vidéos, je crois même une fois lors de sa box opening et sur mes photos une fois aussi, donc je me suis dit autant en profiter de le prendre, ça fait un moment que je ne l'ai pas repris. Je l'ai changé par contre, je l'ai mis en tenue Willy qui m'a été offerte par ma soeur de cœur que je remercie encore parce que j'adore cette tenue. Donc je vais faire cette vidéo avec lui et Esteban pour vous montrer comment rendre son bébé réaliste dans une poussette. Donc je vais pas faire un débat et une longue vidéo sur ça parce que je pense qu'on peut pas non plus rendre le reborn aussi réaliste qu'un vrai bébé dans une poussette, parce qu'il faut savoir qu'un vrai bébé dans une poussette, ça peut pleurer, ça peut se réveiller, ça bouge, etc. Alors qu'un reborn, non. Mais on va essayer le plus possible de le rendre réaliste pour pas qu'il fasse un peu Robocop ou bien trop poupée, figée dans la poussette, parce que je vois des bébés qui sont dans les poussettes, des bébés reborn je précise, et qui sont trop poupées. On voit trop que c'est une poupée. Il n'y a pas l'effet réaliste qu'on veut, l'effet nouveau-né ou bien bébé dans une poussette. Donc je vais tout simplement vous montrer d'abord avec Ezekiel sans veste, sans rien, comment je le mets en position allongée, semi-assise. Donc quand je fais semi-assise avec ma poussette, donc si vous avez un maxi-cosy, ça reviendra au même. Et je fais pareil avec Esteban, donc en position couchée, donc allongée et semi-assise. Et assise aussi par contre, parce que c'est un petit peu plus grand bébé. Et aussi, je ferai avec la combinaison hivernale, donc même si vous lui mettez une veste, ce sera pareil. Hein, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu quand il a une veste ou une combinaison hivernale. Donc voilà, je fais ces deux avec ces deux bébés et ces deux catégories, donc sans veste et avec veste, enfin avec combi. Pour vous montrer un peu les positions, parce que les positions changent une fois que vous mettez une veste, etc. Et il devient un petit peu plus Robocop quand il a une veste ou une combi, donc il va falloir jouer aussi un rôle là-dessus. Donc voilà, mais je vais vraiment vous montrer le minimum, on va dire ça comme ça, et puis voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Nous on se retrouve à la fin pour le débrief. Donc pour cette vidéo, j'ai pris monsieur Ezekiel, donc le anciennement Yanis de Laetitia. Donc tout d'abord, on va le caler bien comme ceci. On tâche que les vêtements sont limite bien. Alors moi, ce que je fais la plupart du temps, parce qu'un bébé n'est pas comme ça, ça fait trop robot, sauf s'il bouge ou qu'il est réveillé, c'est autre chose. Mais là, comme il est censé dormir, je mets plutôt les bras un petit peu vers le haut, comme ceci, hop, comme ceci, et je penche un peu la tête comme ceci. Je lève un petit peu le pull, vers style il a bougé, les jambes je les mets un petit peu plus recroquevillées, et voilà. De toute façon il y aura toujours une petite couverture dessus pour ce bébé là parce qu'il est tout petit. Ou alors je place les mains contre le corps et je cale avec quelque chose, mais je colle contre le corps comme ceci. Des fois les bébés sont comme ça, tout dépend s'ils bougent, etc. Vraiment tout dépend s'ils bougent, hein. Mais la plupart du temps je préfère mettre les bras en l'air comme ça, la tête retournée comme ça, ou tout simplement bien retournée dans ce sens, parce que les nouveau-nés, les bébés sont souvent comme ça,
ils ont la tête des fois qui bouge et qui tourne, donc voilà. Voilà comment je pose un petit bébé, donc voilà, quand c'est un petit bébé, hein, en position couchée. Dans le cosy, c'est une autre histoire parce que ça, c'est pas pareil. Donc voilà, s'il a la position semi-assise, par exemple, je vais vous montrer. Donc si par exemple, je fais en position semi-assise, donc un peu comme dans les maxi-cosy, donc je lève le truc, il sera comme ceci. Dans ce cas-là, déjà, je vais mettre un cale-bébé autour. Déjà, je vais mettre un cale-bébé autour. Et les mains, je vais bien le caler contre lui. Donc vraiment bien le caler contre lui comme ceci et bien recroqueviller ses jambes. Vraiment qu'il ait la position du bébé recroquevillé. Parce que dans le cosy, la plupart du temps c'est comme ça. Il est bien recroquevillé comme ceci. Mais en position couchée, il faut vraiment garder à l'esprit qu'un bébé n'est pas comme ça, ça fait robotique quoi. Ensuite, si je le place dedans une combinaison hivernale par exemple, vu qu'on est l'hiver en ce moment, si je le place là-dedans, donc je mets ses mains bien évidemment dedans, deux fois pas, hein, mais comme vous voulez. Comme il est petit, ses pieds, je peux pas les mettre jusqu'au fond parce que la combi elle est trop grande, donc je laisse comme ça et je fais juste de fermer. Et je vais lever ces trucs en l'air parce que le bébé il a souvent les bras qui sont comme ça, et je mets la couverture là, et puis bah bien sûr, voilà. Et je tâche toujours que sa tête soit un peu, soit tournée, soit un petit peu de biais, pour que ça reste toujours réaliste. Donc voilà comment je fais. Et pour maxi cosy ou position assise, enfin semi-assise, quand on soulève, toujours respecter que le bébé soit bien recroquevillé. Et moi, je mets plus le cale bébé quand il a la combinaison, parce que ça sert à rien du tout. Sinon, vous n'arriverez pas à mettre comme il faut avec la combi et tout ça. Du coup, voilà comment je fais avec monsieur Ezekiel. C'est pareil pour Léo et c'est pareil pour Liara. C'est exactement pareil pour les petits bébés. Je fais comme ceci. Maintenant pour Esteban, il faut savoir que lui, il fait la taille d'un bébé de à peu près 3 mois. Ezekiel et Léo font à peu près la taille d'un bébé de naissance. Donc voilà. Et les bébés à partir de, comme Esteban, comme ceci, aussi grand que lui, voire plus grand, on va dire 58, 60, 65 cm, limite à arriver au toddler, comme le kit, par exemple le kit Liam, le kit Saskia, le genre de kit qu'il faudra positionner de la manière que je vais faire avec Esteban, parce que ça sera plus réaliste. Donc déjà Esteban comme ça, il est réaliste, posé comme ça. Alors avec une petite main ici, une petite main ici, ça le fait très bien. Ou alors tout simplement comme avec Ezekiel, on met une main en haut, ou les deux, un peu à la coule douce, ou alors on en met une contre le ventre, ou tout simplement une comme ceci. Ça fait réaliste quand même. Les jambes, on les met toujours dans la position qu'elles sont, il n'y a pas de souci. La tête toujours soit tournée, soit on peut la mettre comme ceci. En mode un peu dandinée, mais on peut la mettre droite. Ça fera l'affaire comparé aux nouveau-nés. Parce que les nouveau-nés ont souvent la tête qui tourne ou la tête qui reste un petit peu penchée. Ils ont jamais la tête droite constamment. Ça peut durer quelques secondes, mais pas constamment. Alors que les bébés à cet âge-là, ils peuvent s'endormir largement comme ça. Donc pas les nouveau-nés, mais les bébés à cet âge-là, ils commencent à s'endormir un peu n'importe comment. Du coup, voilà, pour Esteban, on peut le mettre comme ça. On peut aussi tourner sa tête. Mais la plupart du temps, pour vraiment que ça reste réaliste, c'est mieux que sa tête reste droite à partir de cette taille. Vous pouvez très bien l'attacher aussi. Si c'est un maxi-cosy, bien évidemment, ce sera obligatoire. Mais dans le landau, si c'est dans l'assise ou dans un maxi-cosy, c'est obligatoire. En revanche, si c'est dans un landau comme ça, je ne l'attache jamais. Par contre, si d'un coup je viens faire l'assise, donc je vais vous montrer, donc là il va être à semi-assis. S'il est semi-assis, on le pose comme ça. Par contre, les bras ne resteront plus comme ceci, ça fera chelou, mais je vais les baisser en bas et les plaquer contre son corps. Et voilà, et sa tête, je vais la descendre un petit peu comme ceci. Toujours que la tête soit penchée d'un côté ou de l'autre. Et puis des fois un peu tournée, c'est pas très grave, elle peut. Mais jamais, jamais trop tournée non plus, parce qu'à cet âge-là, ils sont pas forcément tournés, mais toujours un peu face, mais un peu recroquevillée comme ceci, voilà. Vraiment toujours rester dans le logique. Et si le bébé est assis, vous ferez en condition du bébé assis,
comme ceci. Et là, par contre, la tête restera droite. Donc là, la tête restera droite. Ou un petit peu penchée s'il s'est endormi, mais quand un bébé est assis, surtout si c'est Saskia ou des bébés comme Liam, etc., ils ont les yeux ouverts, donc la tête restera forcément droite ou un petit peu penchée sur un côté, comme s'il regardait sur le côté, etc. Mais en soi, Esteban, comme ça, droit la tête, c'est moche. Moi, je préfère toujours pencher un peu sa tête pour que ce soit plus réaliste. Donc voilà. Il faut savoir aussi une chose, c'est que pour Esteban, je ne mets pas de cale bébé. Ça peut m'arriver si j'en ai envie pour faire joli, mais sinon je ne mets pas de cale bébé, parce que ça ne fait pas réaliste sinon. Un nouveau-né, oui, mais un bébé à cet âge-là, un petit peu moins. Donc voilà. Alors comme pour Ezekiel, je l'ai mis dans la combinaison. Bon, lui, ça lui va un petit peu, ça lui sert un petit peu. Mais je tourne un petit peu sa tête. Je tâche que tout est bien serré, tout est bien mis. Des fois, je mets le bonnet, des fois pas. Les manches, on peut les laisser un petit peu comme ça, contre le corps, comme ceci. Ou tout simplement comme avec Ezekiel, en l'air, comme ça. De toute façon, il y a la couverture qui va recouvrir un peu. Et l'affaire est conclue. S'il est couché, s'il est semi-assis, comme dans le cosy ou dans la poussette, on tâchera que les bras restent vers le bas. Bien évidemment, ce qui va de soi. La tête toujours penchée ou face. Jamais tournée avec ce genre de bébé, de grand bébé. Vous savez comment rendre votre bébé dans une poussette réaliste, donc j'ai essayé de faire un petit peu des mises en scène à la fin pour vous montrer un petit peu. Bon, j'ai fait ça avec Esteban vu que c'était le dernier bébé avec qui j'ai fait la vidéo, mais pour vous montrer, donc j'ai vraiment fait le minimum, plus je ne peux pas faire, et je n'ai pas de maxi cosy avec cette poussette, donc je peux pas vous montrer avec un maxi cosy, etc. Mais en position, comme je vous ai montré, semi-assise, c'est équivalent au cosy. Donc, vous mettrez votre nouveau-né, donc un bébé entre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre, allez, 40 et 53 cm, environ 50-52 cm, comme j'ai fait pour Ezekiel. Et à partir de 55 cm et plus, vous mettrez votre bébé dans la position que je vous ai montrée, comme Esteban. En fait, si vous voulez rester réaliste avec votre bébé dans la poussette, il va falloir vraiment garder à l'esprit de mettre les bras pour les nouveau-nés soit contre le corps ou un petit peu en position vers le niveau de la tête et le niveau du ventre, ou simplement en l'air, plaqué contre le landau, enfin le landau en bas, voilà, vous m'avez compris, parce que la plupart du temps les nouveau-nés sont souvent avec les mains soit fermées soit ouvertes dans le landau fermé avec la tête tournée, comparé aux bébés qui eux ont plus tendance à avoir les mains qui sont au long du corps ou sur le ventre, tout simplement, ou bien simplement au long du corps, et la tête soit qui bascule un peu vers le côté mais un peu vers l'avant, ou tout simplement la tête qui reste un petit peu droite ou un petit peu penchée comme ceci sur le côté. Mais un bébé à partir de 2-3 mois n'a jamais la tête qui tourne comme les nouveau-nés, ils sont vraiment en position très tournée. J'espère que vous m'avez suivi jusqu'à là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec grand plaisir. Donc, je vais faire un dernier débrief pour que vous compreniez cette vidéo. Donc, les bébés comme Ezekiel, il faut savoir qu'il y a, il y a tout simplement le kit luxe, il y a le kit de Liara, donc voilà, la Ilani, le kit Elisa Marx, donc il y a aussi le kit Ivy, il y a le kit... je vais vous faire défiler plein de photos de kits qui vont se mettre comme Ezekiel, Twin B, Twin A, je vous défile là maintenant, je vous défile pendant que je vous parle. Tout ce genre de bébés que vous voyez défiler sont dans la même position que Ezekiel, j'allais me tromper de nom, Ezekiel, parce qu'ils font partie des nouveau-nés un mois. Entre le nouveau-né un mois et les nouveau-nés jusqu'à un mois environ, ils sont toujours dans ces positions pour dormir et surtout dans les poussettes. Donc voilà. Ensuite, les bébés que je vais vous faire défiler ici, donc ils seront comme Esteban, donc dans la même position que Esteban a été, que vous avez vu, que je vous ai expliqué comment je le mettais, etc. Ils seront dans la même position que Esteban. Ensuite, si vous avez des bébés, donc yeux ouverts, donc je sais pas, Saskia par exemple, Liam, c'est à peu près dans les 3 mois, 6 mois, après il y a encore d'autres bébés,
Concernant les bébés aux yeux ouverts, vous pouvez les mettre aussi comme Ézéchiel, donc comme je l'ai mis, mais seulement vous mettrez pas trop la tête tournée, mais un petit peu semi-tournée et les bras un petit peu plus différemment, donc soit au long du corps, soit claqué sur le ventre, tout dépend les membres des mains qu'il a, mais ce sera plus réaliste de le mettre comme ça. S'il est dans un cosy ou semi-assis, vous mettrez le visage un petit peu droit, mais un petit peu penché sur le côté, comme avec Esteban par exemple. Voilà, pour les nouveau-nés, comme voilà, avec les yeux ouverts comme Ézéchiel, mais pour le semi-assis, un petit peu plus comme Esteban. J'espère que jusqu'à là, vous me suivez. Donc, environ entre 3 et 6 mois, ils ont ces kits à peu près, voire 9 mois à peu près. Vous pourrez les mettre donc comme Esteban, seulement que comme ils sont un petit peu plus grands, la tête peut rester forcément droite. Après, vous pouvez très bien tourner un petit peu comme je vous ai montré avec Esteban. Mais la plupart du temps, ils restent droits et les bras, essayez de mettre soit au long du corps, soit un petit peu en l'air. Parce qu'il est éveillé, donc il doit forcément, voilà. Après, vous pouvez jouer en mettant un truc dans les mains, un petit jouet, un petit nounours, dans les mains de votre reborn. Bon, après, s'il a des moufles ou des gants, parce que vous êtes en hiver, voilà, c'est une chose. Mais sinon, mettez-lui des petits jouets, des petits machins, parce qu'il est censé être éveillé. Donc à cet âge-là, voilà. Mais pour revenir au sujet des bébés aux yeux fermés, les nouveau-nés comme Ézéchiel et les bébés à partir de 2-3 mois, donc les kits que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est comme Esteban. Ensuite, je n'ai pas de bébés yeux ouverts, donc je vous ai un peu expliqué pour les bébés yeux ouverts, un peu comment se focaliser par rapport à ça si vous avez un bébé yeux ouverts, parce que moi je n'en ai pas, donc je ne peux pas vous montrer ça, mais focalisez-vous simplement sur le fait que c'est un nouveau-né quand même. Au pire, regardez des vidéos de bébés, des photos sur internet, il y en a plein, des photos de bébés yeux ouverts, yeux fermés. Du coup, internet peut beaucoup vous aider par rapport et beaucoup vous apporter par rapport à ça. Donc voilà, mais moi je vous dis ça par expérience, etc. Je pense donc que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez vraiment des questions que je n'ai pas forcément répondu à telle et telle question que vous vous posez par rapport au réalisme dans une poussette, tout simplement parce que vous n'avez pas forcément la même poussette que moi, ou que vous avez mal compris quelque chose, ou peu importe la question que vous avez par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à commenter ma vidéo et à poser la question, je répondrai avec un énorme plaisir. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater parce qu'il va falloir que je monte cette vidéo pour vous la publier tout à l'heure, donc ce soir. Je vous retrouve donc vendredi pour le tutoriel. Concernant le tutoriel, il faudra pas vous étonner que cette vidéo ait un autre décor arrière, étant donné que j'avais fait cette vidéo avant le mon déménagement. D'ailleurs, je l'ai mis en notification dans cette vidéo, comme quoi il faut pas vous étonner de l'arrière-plan, parce que cette vidéo date de 3-4 mois en arrière. Je l'avais fait avant mon déménagement, et du coup, le décor derrière, c'est pas ma nouvelle demeure. Donc du coup, pas que vous vous étonnez, je leur dis quand même ici, mais c'est déjà noté dans la vidéo, donc voilà. Mais on se retrouve pour le tutoriel détails, et je crois que c'était les détails et les lèvres, donc la French manicure, les lèvres, etc. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager, à faire tout ce que vous voulez, et surtout à commenter, ça fait toujours plaisir. On se retrouve vendredi et je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.